Et c'est comme ça que le renard accompagna l'écureuil dans son arbre. Et voilà. Allez, hop, au dodo, c'est l'heure. J'ai pas sommeil. Il est tard et demain, tu as école. Je peux avoir la petite lampe? Mais oui, mon choupi. Voilà. Et maintenant, dodo. Par ici, par ici. Je t'ai touché. Les enfants, on va commencer l'activité. Aujourd'hui, vous allez jouer avec vos sens. C'est-à-dire avec vos yeux, votre bouche, vos oreilles. Et on va commencer par une partie de Colin Maillard. Vous allez vite comprendre. Tu t'approches, Prune? Donne-moi tes lunettes, s'il te plaît. On dirait Zorro. Maintenant, Prune, essaie d'attraper tes copains. Mais j'y vois rien. Oh là là, ça doit faire peur. Tu vas y arriver, Prune. Écoute bien et tu vas reconnaître tes amis à leur voix. Ouh, par ici, Prune. Non, pas par là. Par ici. Par ici. Non, pas par là. Ouh, par ici, Prune. Par ici. C'est Tchoupi. Bravo, Prune. C'est donc au tour de Tchoupi d'attraper les autres. Moi? Eh oui, ce sont les règles du jeu. J'ai pas très envie. Si, c'est rigolo, tu vas voir. Non, je veux plus jouer. Je suis fatiguée. Ah bon? Tout va bien, Tchoupi? En vrai... Tu veux pas, alors ce sera moi, Zorro. Pilou, rends-moi ce bandeau. Non, Pilou, je veux être Zorro. Donne-moi le bandeau. Benoît, Pilou, calmez-vous. Venez à la cantine, on va faire un autre jeu. D'accord. Cette fois-ci, pas de jaloux. Tout le monde aura les yeux bandés. Les yeux bandés? Quoi? Tout le monde? Oui. On va faire un atelier dégustation. Vous allez apprendre à reconnaître les aliments sans les voir. Sans les voir? Tu veux pas jouer, Tchoupi? En fait, les bandeaux, ça me gratte. Très bien. Tu veux être mon assistant, alors? Y a rien qui pique dans ce qu'on va goûter. On peut commencer. Ils y voient rien du tout. Faites à mon top, le premier qui trouve a gagné. Attention, top. Bravo, Pilou! Ouais! Tu veux jouer avec les autres maintenant? D'accord, Tchoupi. Passons à la suite. Tiens, ouvrez la bouche, les enfants! Attention! Du sirop pour pas être malade. Pas tout à fait. Du miel. Bravo, Jeanne. T'as gagné. Oh, j'allais le dire. Allez, on ouvre la bouche. Et top. Du chocolat. Je l'ai dit en premier. Non, c'est moi. C'est pas vrai, c'est moi. Calmez-vous, vous avez gagné tous les deux. Tchoupi, si tu veux jouer, il faut te cacher les yeux. Sinon, c'est trop facile. Tu sais, les bandeaux sont tout doux, ils ne grattent pas. Tu n'as vraiment pas envie d'essayer?
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Ben, je veux pas mettre le bandeau parce que j'ai peur du noir. J'ai une idée. Tu vas jouer juste en fermant les yeux sans le bandeau. Tu verras, le noir c'est plutôt rigolo quand on n'a pas peur. Il faut bien fermer les yeux, Tchoupi. Et maintenant, l'aliment mystère. Prêt ? Top ! Oh, il est dur celui-là. De la noisette ? Bravo, Tchoupi ! Tu es très fort, c'était le plus difficile. Et si on refaisait une partie de Colin Maillard? Ouais. Et le petit cochon au gros nez retrouva sa maman. C'est fini. Tu te couches, mon trésor? Oui, maman. Tu veux la petite lampe? Non, maman. Ce soir, j'ai plus du tout peur du noir. Je suis un grand. Bonne nuit, mon grand garçon d'amour. Chou-chou, Tchoupi. Tchoupi, Tchoupi, c'est quoi ce bruit? Maîtresse, il y a quoi dans la cour? Eh bien, le directeur est en train de placer... Ne bougez pas, les enfants, je reviens. On a fini. Vous savez où est Dani, Sibyl? Je ne l'ai pas trouvé à l'infirmerie. J'ai mal visé avec mon marteau. Dani est allée changer l'eau du poisson. Elle doit être au lavabo. Andy, Louis, Benoît, Jeanne, vos parents sont arrivés. Vous pouvez y aller. À demain! À demain, maîtresse! Les autres, vous allez attendre Anna dans la cour pour son atelier. Au revoir, maîtresse! Un vrai train! Il est beau ce train, n'est-ce pas? Oui! Mais il n'a pas été facile à monter. Pourquoi il est là? La balançoire à bascule est cassée. Alors, en attendant, on vous a installé ce train. À vous de jouer maintenant. Pourquoi c'est toi qui conduis? Oui, c'est pas juste. Parce que j'étais le premier et que j'ai un petit train chez moi. Alors je sais comment ça marche. Vite, allez dans le wagon, sinon je pars sans vous. Tout le monde est prêt? Alors, tchou-tchou, on démarre. D'abord, ça fait pas tchou-tchou un train. Ça fait tac-tac-tac-tac-tac. Oui, mais tchou-tchou, c'est rigolo parce que c'est un peu comme tchoupi. Attention, on accélère. Plus vite. Les enfants, allez vous laver les mains avant le goûter. Attends, Dani, on va super vite, là. Non. Vous venez tout de suite. On s'arrête. Tout le monde descend. Pilou, arrête. Je me lève les mains. Pilou. Oh, ils m'ont mis de l'eau partout. Allez tout de suite à la cantine. J'arrive. Rums, c'est moi qui conduis. Encore? Moi aussi, je veux conduire. Il y a que moi qui sais le faire marcher, c'est pour ça. Bon, dépêchez-vous d'aller dans le wagon, sinon je pars sans vous. C'est parti, les amis. Bah, vous n'êtes pas à la cantine? Allez, Oust, sortez de là. Attends. J'ai fait une très bonne tarte. Vous aimez ça, la tarte? Oui, mais on n'a pas fini de s'amuser. S'il te plaît, Dani, on veut encore jouer au train. Ça suffit. Venez manger maintenant. On préfère faire du tchou-tchou, nous.
Eh bien, qu'est-ce que je vois? Quatre petites têtes de ronchon? Oh, je crois qu'elles sont tombées très amoureux du train. Ils ne pensent plus qu'à une chose. Ils jouaient tout le temps. Ah, zut, zut, zut. Elle est bonne, ma tarte, n'est-ce pas? Je vous en resserre. Oh. Ouais, gagné! C'est moi qui conduis! On va à la montagne! Attention! Maintenant, accrochez-vous, ça descend! Un virage! Tous par là! Un autre virage! Tous de l'autre côté! Ça justement, un ballon sauteur. Attends, Anna, on est dans le train, on joue. Mais le ballon sauteur, c'est amusant aussi. Pas autant que le train. D'accord, je comprends, mais là, ça suffit, vous venez maintenant. Choupi, Pilou, Lalou, Prune, sortez de là. Mais non, nous, on veut jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps au tchou-tchou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris. Regardez. Bon, je vais demander à ce qu'on répare très rapidement la balançoire à bascule. Tu ne me fais pas un bisou, Choupi? Je peux pas, maman. Je veux être le premier dans le train. Je veux le conduire, moi. Le train? Ne soyez pas triste. La balançoire à bascule est revenue. Mais nous, c'est le train qu'on veut. Oui. J'ai une bonne nouvelle. Le train est maintenant au parc. Vous pourrez y jouer autant que vous voulez, mais après l'école. Et si on jouait au train quand même? Mais si, on va faire un tchou-tchou sans tchou-tchou. Vous allez voir. Accrochez-vous à moi, je conduis. En avant! Bienvenue dans le train de Choupi! Le labyrinthe géant. On fait rien avec Mehdi aujourd'hui, Dani? Si, il est dans la cour, il vous prépare votre atelier. Poussez-vous, les enfants. Je crois même que c'est une belle surprise. Oh, j'ai envie de savoir. C'est un peu comme à Noël quand on attend les cadeaux. Tout est prêt, les enfants. Je vais à la cuisine chercher quelque chose. Ça alors? Viens! Oh, c'est un labyrinthe géant! Viens, on va dedans! Non, il faut attendre Mehdi! Allez, viens! Vous avez pas le droit! C'est de la triche! C'est parti! Vite! Hein, quoi? Oh. Les garçons, sortez de là! Oust! Vraiment, vous auriez pu m'attendre! Faites des groupes de deux! Vous devez essayer de sortir du labyrinthe. L'équipe qui sortira la première gagnera ce qu'il y a dans la boîte. On va gagner. J'ai vu par où il fallait passer.
t'avais dit que tu savais. Attends, c'est par là. Viens. Je te dis, les autres, ils sont encore dehors. Ils vont moins vite que des escargots. Nous, on fonce, on est des léopards. Choupi, Pilou, au lieu de filer sans réfléchir, vous feriez mieux de faire comme vos copains, d'étudier le parcours. Je crois que Mehdi a raison. Non, il faut aller vite pour gagner. T'es un léopard. Alors, on fonce. Au début, il faut aller de ce côté. Et puis après, il faut aller par là. Oh! 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 Je me rappelle. Oh. Il faut aller par là. C'est ça, Louis? Oui, oui. On est des léopards. C'est nous les plus forts. Vous gagnerez pas les escargots. Et toc. Pas sûr du tout. Et toc. Et toc. Il faut aller encore plus vite. Viens, Choupi. Oh. Et vous êtes arrivés au bout. Oh là 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 là, ils vont gagner. Non, 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 non. Mais si, 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 si. On revient tout de suite. On va chercher des boissons pour fêter l'arrivée des vainqueurs. Oh, il n'y a plus Mehdi et Dani. Oh. Ah. Mais si, viens. Oh. Bon, faut le remettre maintenant. C'est bon, ça tient. Oula. Mais oh. Ouais, on a réussi. Choupi et moi, on a gagné. Ça se peut pas. Vous avez triché, c'est obligé. C'est vous qui êtes arrivés les premiers. Les murs tombent tout seuls maintenant, vraiment. C'est parce que on ne trouvait pas la sortie. On le refera plus, c'est vrai, hein. Nous, on est peut-être des escargots, mais on n'a pas triché. Et toc. Et toc. Oui, vous vous êtes très bien débrouillés. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme punition? J'ai encore soif, Choupi. Et moi, j'ai encore faim. Plus vite, les léopards. Les escargots attendent. Et toc. La grosse bébête de la forêt. Voilà, tout le monde est prêt. On va pouvoir y aller. Vous avez pris votre goûter? Oui. Moi, j'ai une pomme dans mon sac. Tu chantes ça, Pilou. Ça va faire venir le loup. Moi, ça me fait peur.
Ne t'inquiète pas, Prune. Il n'y a que des petits animaux sympas ici. Comme des lapins. Des lapins ! Oh, j'aimerais bien en voir ! Pas de loups, ni d'ours, ni de dragons dans cette forêt. Tant mieux, parce que j'aimerais pas en voir. Choupi? Non. J'ai pas peur. Mehdi nous a dit qu'il y a que des petits animaux sympas. C'est peut-être un lapin. Je veux le voir. T'es sûre, Choupi? C'est pas du tout une petite bête, ça. Oui, c'est plutôt un gros machin. Ah oh oui, attendez-nous. Ça va, Prune? On a entendu des bruits partout. Il y a une grosse bête là-bas. C'est le loup. Le loup? Oh, super. Arrêtez avec votre loup. Il n'y a que des petits animaux inoffensifs ici. Oh. On vous lit vraiment trop d'histoires le soir. Allez les cyclistes, on repart. Et après, on prendra le goûter. Mehdi, viens. La bête, elle est par là. Oui, Mehdi, viens. Bon, je vais aller voir ce que c'est. Comme ça, vous serez rassurés, d'accord? Alors, il est où ce lapin qui fait peur à mon petit monde? Promenons-nous dans les bois pendant que le lapinou est là. Lapinou, y es-tu? Lapinou, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Sautes-tu? Le loup! Le loup! Non! Restez derrière, les enfants, à l'abri. Je vais aller voir, seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, viens à toi. Wow. Allez. C'est un poche. On le connaît. C'est un poney de Danny. Tu t'appelles donc Apache et tu as dû t'échapper. Allez, viens Apache. On va te ramener à ta maison. Quelle tête de nul, ce poney! Je veux te ramener chez toi, pas te faire peur! Il faudrait lui donner quelque chose à manger. De l'herbe, il adore! Tiens, Apache! Allez, allez, mange! Ohé, Apache! Ohé, Apache! Miam, miam, c'est bon! Je te tiens, mon cochon. C'est pas un cochon, Mehdi, c'est un poney. Puisque monsieur aime les pommes, donne-moi ta pomme, Choupi. Merci. En route pour le centre équestre. Mais... Allez, Apache, avance. Danny doit t'attendre. Oh non, cette fois-ci, le loup. Loup, y es-tu? Mais arrête de l'appeler, toi. Tiens, Choupi, range ta pomme. Je vais voir. Ne bougez surtout pas. C'est le loup. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ça va, Mehdi? Mehdi! Chut! Venez! Qu'est-ce qu'ils sont mignons?
Un peu, oui. Mais tu sais, c'est que des petits animaux gentils, hein. Il y a quelque chose dans mon dos. C'est une grosse bête. C'est quoi? C'est toi, Apache. Arrête de me chatouiller. Mais oui, je vais te la donner, ta pomme. Tiens. Allez, zou le gourmand. Retour aux écuries. La baguette vraiment super magique. À quoi on pourrait jouer? Venez, on n'a qu'à demander à Dany si on peut aller chercher un jouet. Ouais. Dany, on peut aller chercher un jeu? Bon, exceptionnellement, allez-y. Merci, Dany. Seulement... Oh, un camion. Pan, 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 pan. Oh mince, la roue tient pas. Oh, la baguette magique de Mehdi. Zou et zou. Zou. Elle est pas du tout magique, ta baguette. Bah, peut-être que si. Je la prends quand même. Oh. Bonjour, raquette, Pilou. Super. Petit oiseau. Elle est toujours pas magique, ta baguette. Je sais, c'est parce que j'ai pas dit la bonne formule magique. Choupi choupi chou, je veux que tu t'envoles, petit oiseau. Ouais. Choupi-chou, je veux le toboggan pour moi tout seul. Hein? Tu veux le toboggan, Choupi? Prends-le, je vais jouer à autre chose. Oh. Choupi-choupi-chou, je veux que vous tapiez 4 fois dans la balle sans la faire tomber. 4 fois? C'est parti, je compte. Choupi-choupi-chou, je veux que Dany nous appelle pour la cantine. J'ai faim. Allez, allez, il est l'heure de manger, les enfants. Oh, elle est vraiment super magique, ta baguette, Choupi. J'espère qu'on va manger quelque chose de bon. Regarde, Choupi-choupi-chou, on veut manger quelque chose de très, très, très bon. Pa-pa-pa-pa-pa, chaud devant, saucisse frites pour tout le monde. Allez, prête-la-moi. Moi aussi, je veux faire des vœux. C'est pas la tienne. Et puis, j'ai pas envie que tu la casses. D'abord, elle est pas qu'à toi, elle est à Mehdi. Et puis, je vais pas la casser. Allez, Choupi, prête-la-moi, juste une fois. Ah, merci. Chou, chou, chou. Mais doucement, Choupi, choupi, chou, je veux une montagne de bonbons. Oh. À moi maintenant. Choupi, choupi, chou, je veux une piscine dans la cour. Oh, mais c'est parce que vous savez pas le faire. Choupi, choupi, chou, je veux que tu t'envoles, petit oiseau. Oh, oh, mais c'est de votre faute. Vous l'avez cassée à force de la secouer n'importe comment. J'ai apporté des cookies pour le goûter. Vous pourriez les réchauffer, s'il vous plaît? Mais bien sûr.
Bonjour. Eh bien, Tchoupi, tu as l'air tout tristouné. Oh, tiens, ma baguette. Tu l'as retrouvée? Oui, mais elle marche plus. Elle est plus du tout magique. C'est ce qu'on va voir. Vas-y, secoue-la un peu. Tchoupi, tchoupi, tchou. Oh, oh, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est la baguette. Je crois qu'elle remarche. Super. Allez, refais un coup pour voir. Tchoupi, tchoupi, tchou, je veux que tu fasses la toupie. Wow, wow. Il faut lui dire d'arrêter. Mais non, on va faire plus rigolo. Tchoupi, tchoupi, tchou, je veux que tu sautes sur une jambe. Tchoupi, tchoupi, tchou, je veux que... T'es fou, Dan. Tchoupi, tchoupi, tchou, je veux que tu redeviennes comme avant. Mehdi est complètement cassé. Oups, oh là là. Comment on peut faire? Je vous ai bien eu. Mais ça veut dire qu'elle marche pas pour de vrai, la baguette? Oh ben mince. Moi aussi j'aurais bien aimé faire un vœu rigolo. Attends Prune, j'ai peut-être une idée. Tchoupi, tchoupi, tchou! Je veux que Dani apporte des cookies bien chauds. Et des cookies bien chauds pour les petits gourmands. T'as fait le meilleur vœu, Prune. Les meilleurs copains du monde. Et tu te souviens qu'on avait fait la cabane? Oh aussi, ouais, on avait tellement rigolé. Qu'est-ce qui vous amuse autant tous les deux? C'est parce que Pilou est venu dormir chez moi ce week-end. On se rappelle tout ce qu'on a fait. On a mangé des glaces et on a fait de la balançoire. Et à un moment, mon papa est passé devant la balançoire. Et sans le faire exprès, je l'ai poussé sur les fesses. C'était drôle. Oh. Et bientôt, c'est Tchoupi qui viendra chez moi. Et même qu'on ira au zoo. Ils sont vraiment inséparables, ces deux-là. Aujourd'hui, vous allez faire une course de relais. Mehdi, c'est quoi une course de relais? Vous allez vous mettre par deux. Un copain démarre le parcours, puis l'autre le continue. Il faudra aller le plus vite possible et taper dans la main de son équipier pour qu'il se mette à courir à son tour. C'est compris? Oui! Ça va être rigolo. En plus, l'équipe qui gagnera aura une surprise. C'est moi qui vais gagner la surprise. Je suis toujours le meilleur au parcours. On verra bien, nous aussi on est forts, hein. Oh, c'est vrai que Benoît arrive toujours le premier. Allez, on va faire les équipes. Pilou, tu choisis ton partenaire? Je choisis... Benoît. Oh. Ouais, on va gagner tous les deux, Pilou. C'est sûr de chez sûr. Très bien, alors Jeanne et Tchoupi, vous faites équipe ensemble. Ah, je suis contente d'être avec toi, Tchoupi. Oui, moi aussi. Jeanne et Benoît, vous commencez la course par le slalom. Puis vous passez par la chenille. Ensuite, les nénuphars. Et pour finir, les champignons. Là, vous taperez dans la main de votre équipier. Oui! Ensuite, ce sera le tour de Tchoupi et Pilou. Vous passerez dans le tunnel, puis sur le pont, les poutres, et enfin, vous grimperez sur la cabane. C'est bon pour tout le monde? Oui! Vous êtes prêts? Attention! 3, 2, 1, partez! Vas-y, Benoît, t'es le plus fort!
Youpi! Mais... Stop, stop! On arrête la course 2 minutes. Hein? Choupi, il faut que tu encourages ton équipière. Ne lui crie pas dessus. Si tu la soutiens, tu vas voir, tu vas lui donner encore plus de force. Pardon, Jeanne, c'est juste que j'aimerais bien qu'on gagne. Ben moi aussi, je veux gagner. Oh bah, tant mieux. Allez, on reprend la course. Prêt? Partez! Oh. Vas-y, Jeanne, t'es la meilleure. T'es la plus rapide de tout l'univers. Vas-y, Benoît. Tu y es? Oui, tu y es. Ouais. Vas-y, fonce vite, Pilou. À mon tour. Ouais, Choupi, c'est bien. Bravo, t'es une fusée. Allez, Pilou, continue, on va gagner. On est les meilleurs. Et c'est quoi la surprise? Et voilà pour les vainqueurs. Des cookies aux bonbons que j'ai cuisinés moi-même. Des cookies, ouais. Tu veux un bout de mon cookie? Non merci, il est à toi puisque t'as gagné. Ce n'est pas important de gagner. La course est faite pour que chacun donne le meilleur. Et c'est exactement ce que vous avez fait tous les quatre. C'est pourquoi j'ai prévu des cookies pour tout le monde. Oh, merci, Mehdi. Choupi, tu me pardonnes? D'accord. On fera encore des courses, Mehdi? Que diriez-vous d'en refaire une tout de suite maintenant? Oui. Allez, Choupi, c'est à toi de choisir ton partenaire cette fois-ci. C'est avec toi que je veux refaire la course. Oh. T'inquiète pas, Pilou. Toi et moi, on est les meilleurs copains du monde pour toujours. La pierre qui rend fort. J'espère qu'on va sauter sur les nénuphars. Et sur les champignons. Ben, moi j'espère qu'on devra pas marcher sur la poutre. J'aime pas trop. Tout ça, ce sera pour plus tard, les loulous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une surprise. Oh ? Elle est où la surprise, Anna ? Regardez. Oh ? Wow! C'est un mur d'escalade. On appelle ça des prises. Les vertes, ce sera pour vos pieds. Et les jaunes, pour vos mains. C'est facile, vous allez voir. Benoît, tu veux bien venir m'aider à montrer aux copains? Tu poses ton pied sur une prise verte. Et puis tu attrapes une prise jaune avec ta main. Très bien, Benoît. Superbe. Ouais. Et maintenant, le toboggan. Tu l'as bien mérité. À ton tour, Louis. Si j'ai peur, tu m'aides, hein, Anna? Mais bien sûr. Allez, allez. Encore une dernière prise, Louis. C'est très bien, Louis, bravo. Tada! Tu vas nous montrer tes talents de grimpeur, Choupi? C'est bien, Choupi. Ah! Oula, attention! Prends ton temps, mon grand. Si tu vas trop vite, tu dérapes, tu vois? Ça arrive parfois.
Mais c'est pas grave, va. Allez, on continue. Mets ta main là. Tu veux descendre? Tu pourras réessayer demain si tu veux. Ben alors, mon Tchoupi, qu'est-ce qui ne va pas? Dis, mamie, c'est nul d'avoir peur, hein? Qu'est-ce qui te fait aussi peur? C'est le mur d'escalade. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais très peur de monter à la corde à l'école. C'était tellement haut, tout en haut d'un poteau immense. Et tu sais quoi? C'est une toute petite pierre qui m'a aidée. Une pierre? Je vais te la montrer. Je l'ai trouvée au milieu d'une rivière. Elle résistait de toutes ses forces pour que le courant ne l'emporte pas. Je me suis dit que je devais faire comme elle, être forte et ne plus avoir peur de monter tout en haut de la corde. Ma petite pierre, je l'ai gardée pendant des années et elle m'a toujours donné du courage. Ça marchera sûrement pour toi aussi. Demain, je passerai voir si elle te donne de la force. Oh! Après ma mamie, elle n'a plus jamais eu peur. Même qu'elle est devenue championne pour grimper à la corde dans son école. Oh, ben ça alors. Dis, un jour si jamais j'ai trop peur, tu pourras me la prêter? Bah oui, bien sûr. Bravo. Allez, Tchoupi, à toi de jouer. Tu vas y arriver cette fois. Tu as la pierre de ta mamie. Oui, t'as raison. Je le mets ici, mon pied? Oui, vas-y. C'est bien, prends ton temps. Tu peux y arriver. Oui, Tchoupi. Attrape cette prise. Je reste près de toi. Ta pierre. Hein? Quelle pierre? Bah, la pierre qui rend fort. C'est elle. Oh, t'as de la chance. Qui a envie d'escalader une dernière fois? Moi, Anna, moi! Tchoupi, comment ça s'est passé l'escalade? Bonjour, mamie. J'y suis arrivée, deux fois même. Mais j'ai perdu la pierre qui renforce sans faire exprès. Oh, mais peut-être qu'elle n'est pas loin. C'est juste là. Oh. Ouais. Allez, allez. Tiens, Louis, on a retrouvé la pierre pour toi. Oh, oh merci, Tchoupi. À la poursuite du lapin. Bonjour toi. T'es tout chou mignon toi. Maîtresse,
Il s'appelle comment ton lapin? Il s'appelle Fripouille. Et vous allez pouvoir vous en occuper car il va rester avec nous toute la semaine. Il adore être chouchouté. Et on va pouvoir lui donner des salades? Oui, vous allez pouvoir lui donner à boire et à manger. Mais attention, vous devrez toujours veiller à ce que sa cage soit bien fermée. Eh bien, Louis, tu n'as pas envie de caresser le lapin? Non, je suis allergique aux poils des animaux. Alors je le regarde de loin. Sinon, je vais éternuer. À demain! Pas tarder à arriver pour votre activité. Et nous, on se revoit demain. À demain, maîtresse. Qui vient jouer sur le toboggan? Moi. Youhou! Mais demain, c'est super loin. Comment il va faire, Fripouille, s'il a faim cette nuit? Ben, on pourrait aller lui chercher à manger. La maîtresse a dit qu'on devait s'en occuper, pas vrai? Viens, on va demander à Dani si on peut. T'es un gros gourmand, toi! Choupi, Pilou, vous venez? On va commencer l'activité! On arrive! Le dernier arrivé est un escargot tout mou! Et ce sera pas moi! Aujourd'hui, on va faire de la magie! Chouette! On va apprendre à faire disparaître un lapin! Waouh! Oh bah non, pas encore un lapin! T'inquiète pas, Louis! Celui-là, c'est un faux! C'est un qui fait pas éternuer! Pilou, on a bien fermé la cage de Fripouille? Mais oui! Regardez bien maintenant! C'est magique! Abracadabra! Piouf! Hein? Oh! Waouh! Mehdi, je peux aller au petit coin? Bien sûr, Tchoupi, mais ne traîne pas. Non, non. Alors, qui veut essayer de faire de la magie? Moi! Oh, mais non! Mais t'es où, Fripouille? Oh là 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 là! Abracadabra! Oh, ça marche pas! Pilou! Le lapinou a disparu! Hein? Tchoupi, quand tu auras fini de faire le singe, tu pourras nous rejoindre! C'est pas le singe, c'est... c'est le lapin! Parce que le lapin de la maîtresse, il a disparu! Mais comment il a fait? Je crois que j'ai mal fermé la cage. Pas de panique, les enfants. Bon, eh bien, notre activité, faire disparaître un lapin, s'est transformée en... retrouver un vrai lapin. Ouais. C'est parti. À la recherche du lapin. À la recherche du lapin. C'est le bureau du directeur. Alors on ne touche à rien, compris? Compris. Oh, il était là, j'en suis sûre. Il vient par ici. Louis, attrape-le. Oh, mais t'aurais pu l'arrêter quand même.
quand même, Louis. Ne vous inquiétez pas, on va bien finir par l'attraper. Cette fois, t'es cuit, Fripouille. Ça va, les enfants? Pas trop sonné? Non, non, ça va. Oh, mais non, le lapin a encore disparu. Là! Cette fois, on s'approche de lui calmement, sans courir ni lui faire peur. Ah, et ben maintenant, tu pourras plus t'échapper. Encore disparu! Mais c'est pas un lapin, c'est un magicien! Bah, moi je préfère jouer avec le lapin en peluche. C'est moins fatigant. Et ça fait pas éter... Oh, Fripouille! Je te tiens, petite canaille. Ah, c'est sûr, c'était le meilleur cours de magie que j'ai jamais donné.